Welcome back to this special Q&A that we will be having today with Algerian actress and producer Adila Bendimerad, who's kind enough to join us for this pre-recorded talk. Adila was supposed to be with us today in the Film Museum, but unfortunately, because of the current health regulations, it's difficult for people to travel at this stage. So we're very happy that Adila is giving us a bit of her time to be with us. Adila was born in Algeria in 1988. She started her career in 2010. She has acted in several different films, different projects. She has won the Best Arab Actress Award for her role in the movie The Repentant in 2012, a film by Merzak Alwash. You also might have seen her in The Rooftop, which is a film from 2013 by Merzak Alwash. She won the award at the Cairo Film Festival. She has acted in the films Baku by Fatma Zohra Zamoun. She has acted in Qandil that you've just seen by Damia Onouri. She has acted also in the Lebanese film Still Burning by Georges Hachem, which is a film of 2016. And her newest film as an actress is The Last Queen, which is a film that is set to debut sometime in the near future. It's now in recent production, in post-production. Adila is also an activist and has been pledging with fellow filmmakers and cultural practitioners to support arts and film culture in all of its shapes and forms within very ruthless politics in Algeria that are showing zero support, if not fighting, the art scene in her country. Today, we will go underwater with Adila as we speak about Damia Onouri's medium-length film, Qandil, as we're accompanying our underwater exhibition here at the DFF. We're looking at different perspectives that you might not have necessarily seen in the exhibition, but we're trying to show you that in the different programs that are being held here at the cinema. Adila, welcome. Thank you so much for being with us. Adila is going to speak French, so we're going to have do things in English also for the public. That would be fine. Adila, I will start with you first by asking you, this is a film about water. What does water mean for you? Alors, bonjour tout le monde. Oui, j'aurais aimé parler en anglais, mais voilà, je suis désolée. Donc, pourquoi la mer? D'abord parce que, à mon avis, déjà, je suis née à Alger. Je suis née au bord de la mer et la mer est constamment présente dans mon imaginaire et constamment présente. C'est un élément qui me ressource énormément. C'est un élément qui reflète la lumière à Alger et beaucoup. Et aussi, c'est l'eau qui me ressource. Donc, comme Qandil al-Bahr, c'est aussi un scénario que j'ai coécrit avec Damia Onouri. C'est vrai que dans mon écriture, la mer est toujours présente. Autre chose aussi, je trouve que c'est un élément de puissance et d'énergie incroyable dans notre région, la Méditerranée, mais qui pose aussi énormément de questions de tragédie, de violence. Notamment, on a beaucoup de tragédies, tous ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui prennent les barques et qui s'en vont, tous ces morts qu'il y a eu en bord de mer, mais aussi toute la tension des plages depuis quelques décennies, on va dire, ou quelques années, oui, même décennies, toutes les tensions sociales que crée la mer, notamment sur la question du corps de la femme. Et petit à petit, il a fallu voir ce changement. Et ce changement dans la société, en fait, où au fur et à mesure des années, la question du corps de la femme dans la plage, qui est un lieu où on devrait s'amuser, reprendre de l'énergie et passer de bons moments, est devenue en fait un lieu un peu tragique pour le corps de la femme et pour la présence de la femme. D'où cette idée aussi d'écrire Qandil. Parce que à ce moment-là, il y a eu quand même... Il y avait beaucoup de polémiques, beaucoup de violences verbales, beaucoup de témoignages sur la présence des jeunes femmes sur la plage, leur façon de s'habiller, est-ce qu'elles devaient mettre des maillots de bain ou pas. Et j'ai eu un sentiment de quelque chose de très dangereux qui pouvait arriver. Et voilà.
Basically, Adila is apologizing for not being able to speak in English. She's going to speak in French. Adila says that she was born in Algiers, and Algiers is a city that is really on the seaside, actually. So the sea has always been present in her imaginary, but also in her daily life. And it reflected so many things that she was going through. And concerning the film, she has actually co-written the film with Damia Onouri. And she says that water has so much power and energy, just as the whole Mediterranean region. But also it's very tragic and it's very violent. We've seen all the boats that have left with all the young people that have left, many of whom have died in the water. So also water reflects the tension, but also reflects the case of the beaches in our region of the world since a couple of decades, where the body of the woman has been subjected to so much scrutinization. And this also reflected the change in the society. Going to the beach was supposed to be a fun activity, but recently the body of the woman has been always scrutinized. And for her, what women should be wearing on the beach became really a societal question. And that's why Adila felt that she wanted to co-write the script of the film. Adila, if we move a tiny bit from writing the script to preparing the film, you are a woman, and for you to play in a film like Kandil, that is not just a film that really decries the woman's situation in the society today, but also it's a genre film, so it takes on the fantastic element to show something that is very very, very tragic, but also very real. How did you prepare as an actress to play for the role? Alors, bon, il y a deux choses. Il y a le choix du genre qui s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'avec Damien, on écrit à tous les deux ensemble, y compris Kendil, y compris le prochain film qui sort bientôt. On écrit et on a un imaginaire comme ça un peu où on essaye de se donner pas de limite, c'est-à-dire à un moment quand Kendil meurt, enfin quand une fille ça meurt, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on part dans une enquête policière ou qu'est-ce qu'on fait? Et moi je me rappelle avoir dit à Damien, bah, on continue avec elle, c'est-à-dire au-delà de la mort, elle va se métamorphoser. L'Algérie, là où on va tourner, en plus, Tipaza, c'est une terre antique. On a tout un héritage antique très, très fort. Donc, allons dans cette mythologie ou créons une nouvelle mythologie ou reprenons d'anciennes mythologies, mais continuons. Continuons. Le cinéma permet de ne pas la tuer. Et puis, bon, ça nous ouvre aussi toutes les joies de la mise en scène, du genre. Et puis, nous, je pense que ça nous ennuie assez vite le côté regard sociologique sur nous-mêmes, où on va un peu analyser notre société constamment. On a envie d'analyser notre société, c'est pas qu'on l'analyse, c'est qu'on la vit. Nous, on vit à Alger, on vit tout ça dans notre chair, et on vit à fond notre vie en Algérie avec tout ce qui se passe, mais on a aussi des envies de cinéma, des envies de fiction. Et la tragédie, justement, que ce soit la tragédie grecque, antique, elle permet en tout cas de poser des questions philosophiques et de les mener jusqu'au bout, tout en ayant cet aspect fantastique. Alors pour le rôle, oui, c'est toujours... Bon, c'est pas un rôle... Quand je fais des rôles avec Damien, et comme c'est des films qu'on écrit ensemble, c'est pas comme quand je fais un rôle avec Mirza Kalouach, où j'arrive, le rôle est déjà écrit, et donc je fais mon travail d'interprète qui est... Là, c'est un peu compliqué parce que c'est des personnages que j'écris, je m'identifie à ces personnages, mais c'est pas tout à fait moi. Donc c'est très difficile pour moi de décrire comment j'aborde un film comme Kendil ou comme récemment La Dernière Reine, alors que c'est Damien et moi qui avons écrit. Donc ce que je fais, c'est que quand je reçois le scénario, c'est comme si je ne l'avais pas lu, mais je sais que je l'ai plus que lu, mais j'essaye constamment au moment de l'action
d'être dans le moment vraiment présent et de faire ce que je peux avec tous les éléments que j'ai maintenant. C'est-à-dire ne pas tenter de faire des choses trop ou en dessous. Et pour Kendall, surtout, enfin, moi, je trouve que c'est plus une performance physique parce que j'ai dû nager dans l'eau. Bah, ma foi, comment vous dire, bah, je me suis entraînée. Je me suis entraînée en tant que, oui, que nageuse. Ah, c'était pas simple, hein. Ça fait longtemps que c'est arrivé, Kindil. C'est un film un peu ancien, mais c'est pas simple, l'élément de la mer et le sable. Physiquement, ce n'est pas simple. C'est une lutte, c'est-à-dire on peut même pas penser vraiment au jeu, c'est l'élément qui est tellement plus fort que nous qu'on est obligé de se débattre. Et là, je me suis vraiment débattue pour survivre, par exemple. Et c'est très difficile de crier dans l'eau, c'est très difficile de mouvoir son corps dans l'eau. Il a fallu faire preuve de beaucoup de calme. Il a fallu se concentrer sur sa respiration à un moment où j'étais complètement paniquée. Voilà, je ne peux pas vous expliquer, c'est arrivé. C'est comme ça. So, there are two points that Adila has discussed. First, with the writing, she says that with Damien, she writes together normally, and they have an imagination that works together. So when Nfisa actually dies, they ask themselves, what do we do now? Do we do do we had to do like a police report or something very similar? And then Adila said, no, let's go with her after her death. Let's create a new mythology. Let's continue through cinema. Let's have the permission not to kill her after she has been already killed. So while there is a sociological look on our society, Adila says she lives in this society, she knows this society, she wants to understand this society, but they also have, as a team, film aspirations, fiction aspirations. They wanted this Greek tragedy to ask different questions through cinema, and that's what they try to do with the second half of the film, actually. Concerning the role and being in the role, Adila is saying that working with Damien is completely different from, let's say, working with Merzak Alouache. When she works with Merzak, the role is already drafted for her and she has to check it and be in the role. But with Damien, she co-writes the persons that she will enact. And so when she receives the scenario, she tries to look as if the scenario is completely new for her, even though she knows the scenario. And so when it was time to shoot, she tried to be present as much as possible. And here she tells us a bit about her experience of doing a film in water, which she believes was really, really, really tricky, was not easy. It was a physical performance. She learned to swim properly, and being in the water and in the sand was really not easy. And sometimes, you know, the fight is much stronger. You have to really fight. Your body is not able to move in the water the way you want to. And she had to remain calm. She had to breathe in times when she was panicking. She cannot explain that precisely, but it happened to her. And it was a very challenging experience. Adila, I want to ask you about not just the challenge of doing the film, but also the challenge of being a woman in Algeria today. I think if we go beyond the film today, you spoke in the beginning about how women's bodies are always scrutinized on the beaches, but also being a woman in Algeria today is already a very difficult thing. How would you, what would you say about daily struggles that women go through, and why is it important that you as artists create films that speak about that and that challenge a bit the patriarchal society? Alors, c'est en Algérie, il y a deux choses. C'est pas que difficile d'être une femme. Il y a étrangement deux choses qui cohabitent. Quand on est actrice, par exemple, on peut s'imaginer qu'en Algérie, les gens vont dire « Ah, c'est une actrice » et on va dénigrer les actrices. Or, en Algérie, il y a un grand respect populaire
Pour les actrices. Voilà, moi, je fais du théâtre. Je fais du théâtre de rue, je joue dans la rue, je mets en scène des actrices dans la rue, pas seulement dans les grandes villes, mais même dans des petites villes et des petits villages. Il y a en Algérie cette culture de respect de l'acteur, de celui qui fait de la culture, même si au même temps, on n'a pas trop envie que notre fille ou notre épouse soit actrice. Mais malgré tout, il y a cette grande admiration pour ces femmes qui portent la culture. Donc, en ce sens, en tant qu'actrice en Algérie, on est très protégée dans les équipes de cinéma. On est aussi, voilà, il y a une sorte d'admiration. Ensuite, donc ça c'est énorme. Ça, c'est quand même déjà une force sur laquelle il faut s'appuyer au quotidien. Voilà. Bon, là, bien sûr que des actrices reçoivent aussi des situations compliquées, mais bon, ça, c'est dans le monde entier. Ensuite, oui, en tant que femme, évidemment que c'est compliqué, évidemment que c'est compliqué un peu partout dans le monde et certains endroits un peu plus. Dans le film, on a parlé de Césarée, donc on n'a pas parlé d'Alger, puisque la scène de lynchage est inspirée de ce qui s'était passé en Afghanistan. C'était Farhunda, ça venait d'arriver. Ça m'avait tellement traumatisée, j'ai eu tellement peur que ça arrive chez nous parce que je sentais cette violence constante qui revient sur les femmes. Et je me suis dit, faisons-le pour exorciser. Peut-être qu'à travers ce film, qui est beaucoup regardé en Algérie, les gens vont avoir peur de faire ce geste horrible envers une femme. Peut-être, on imagine des choses comme ça, on espère des choses comme ça. Ensuite, oui, évidemment, le corps de la femme pose énormément de problèmes, c'est-à-dire que... Le corps de la femme en général dans le monde, en Algérie aussi, subit beaucoup d'injonctions. Une femme devrait être habillée comme ça et pas comme ça. Une femme devrait être très mince et pas très grosse. Une femme devrait se couvrir. Ah non, non, une femme devrait être hyper sexy. Sinon, en fait, si elles ne rentrent pas dans les cases d'une société, elles sont comme éliminées, comme éjectée de la vie sociale et mise de côté. Et c'est en tant qu'Algérien, nous, on est entre ces deux cultures, c'est-à-dire qu'on est et en Algérie, en Afrique, dans un pays à grande majorité musulmane, avec notre culture nord-africaine, mais on est aussi très lié à l'Europe, donc on a des doubles injonctions complètement contradictoires, complètement insupportables. Mais que tout le monde se permet. Donc, on est comme dépossédé, déshumanisé. Et c'est pour ça que se transformer en monstre, ça a été une solution pour nous dans le film. C'est-à-dire, on nous a tellement déshumanisé, dépossédé de notre corps, qu'à un moment, on va se transformer en monstre, on va sortir les crocs et on va vous dire, attention les gars, maintenant, ça suffit, parce que maintenant, il faut que ça change. Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire, mais le gros problème, c'est l'injonction. Et partout dans le monde, vraiment. Et en plus, les injonctions qui vont dans tous les sens. Trop couverte, trop nue, pas assez mince, trop grosse, pas assez comme il faut, pas assez constamment, constamment, cette façon de se mêler, en fait. Du corps de la femme, de comment il doit se mouvoir, comment il doit être, comment il doit se présenter à la société. C'est très pesant et c'est juste injuste. Et je pense que en tant que femme, auteure, actrice, oui, il faut qu'on en parle si on en a envie. So, when it comes to being an actress in Algeria, Adila is saying it's very interesting because there is a very deep and popular respect for actresses. Adila does street theater, not just in bigger cities, but also in smaller towns and villages. And she directs young actors and actresses in the street, even though the general sentiment would be that society does not want your daughter to be an actress. But Adila says that she feels that actresses are very well protected in film teams. And it's really a strength that she tries to hold
on a daily basis. When it comes to harassment, of course, it happens, but this is the situation with female actors all over the planet at the moment. Concerning the film, the scene has taken, they wanted the scene to take place in Caesarea because actually they, it is based on the real event that took place in Afghanistan. And when she saw that scene in when she saw that all over, she really was afraid that this would happen anywhere in Algeria or anywhere near her. And that's why they decided to do the film, actually, to speak about it. Women's bodies are subjected to so much talk and contradictions wherever they are in the world to fit a particular society. You're either too thin or you're too fat, you're not covered enough, you're not sexy enough, you're not dressed as you should be dressed, you're not covered. So for her, it really feels like if you don't fit in one of the boxes that society has for you, you're automatically eliminated. When it comes to Algeria, Algeria is a country that has a majority of Muslims. It's very much rooted in its North African, but also African culture. However, it's very much linked to Europe. So it really feels that there is a very big contradiction that Algerians as a society are living. And she feels in particular that women are depossessed and dehumanized when it comes to their bodies. So for her, it was a logical like a logical answer to transform as a monster in the film and telling them, hey, that's enough now. And we're going to take our hands and do this. So for her, really, all of these contradictions when it comes to speaking about a woman's body, that everyone has something to say about the woman's body, is really the source of the problem. And for her, as an actress, as a woman, as a filmmaker, she wants to speak about it. I have one last question for you, Adila. We've been speaking about Algerian society, but I wanted also to give you the floor to speak about what's happening on the political level in Algeria when it comes to supporting or not supporting at all the film world, the cultural world, the arts world. How do you, I mean, there were petitions lately that that have been signed by so many arts practitioners and activists and supporters of film and culture in Algeria. How do you think the country should move on? How do you believe artists should find support? How do films need to be produced without any body in Algeria supporting them? What would you ask now from the political regime to do with a bit more arts and culture? Alors, oui, effectivement, en Algérie, cette année, nous avons été confrontés à une chose assez terrible, qui est la fermeture du fonds de financement de cinéma, ce qui, pour nous, est terrible à plusieurs points de vue. Déjà, on aura plus de mal à faire nos films, et puis surtout que l'aide financière de l'Algérie est assez conséquente et importante. Et c'est quand même une aide qui nous permet de préserver et de protéger notre imaginaire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement soumis au point de vue des financeurs étrangers et du point de vue étranger. C'est-à-dire, par exemple, nous, on a fait un film qui se passe au XVIe siècle à Alger. Et effectivement, quand on cherchait des financeurs en Europe, on nous disait... Ah ben non, c'est pas ce qu'on attend de l'Algérie, on attend plutôt des choses sociales sur les problèmes d'aujourd'hui. Nous, on s'en fiche un peu du XVIe siècle algérien. Alors que pour l'Algérie, c'est un enjeu extrêmement important de faire un film qui sort un peu de la période soit coloniale, qu'on soit un peu représenté aussi dans notre histoire. Donc ce fonds de financement qui s'arrête, c'est aussi un coup très dur à notre liberté. Et à notre et à nos images, aux représentations de nous-mêmes. Donc ça, déjà, on essaye de l'expliquer aux autorités. Bon, vous savez, en 2019, il y a eu beaucoup de manifestations en Algérie, donc il y a eu un changement de régime, il y a aussi beaucoup de gens de l'ancienne politique et de l'ancien régime qui passent dans des procès. Donc c'est un vrai changement, il y a un changement comme ça.
Et donc, ça a fragilisé la question de la subvention culturelle, comme toujours. Et c'est pour ça que je dis attention à tous les pays, à chaque crise politique. Effectivement, c'est la culture qui va payer et c'est aussi les femmes. Voilà. Donc, et les minorités, je veux dire. Et là, notre but, c'est de dire en gros, quand même, l'Algérie, c'est un des rares pays africains et arabes qui a une tradition de subventionner le cinéma et en plus avec des sommes intéressantes. C'est un acquis que nous sommes en train de perdre. C'est très mauvais pour l'Algérie parce que c'est très important que les dirigeants, que les gens dans une société comprennent que c'est aussi par les films qu'on, le film est un porte-drapeau d'un pays, d'une culture. C'est tellement important. Donc on essaye vraiment de sensibiliser, d'expliquer que c'est très important non seulement de subventionner le cinéma, mais de aussi le subventionner et de lui permettre de s'exprimer dans toutes ses différences. C'est-à-dire ne pas subventionner seulement un cinéma de commande ou de propagande ou un cinéma comme ça pour les drapeaux et tout ça, mais de laisser toute cette richesse en fait des artistes, des cinéastes qui vont donner des points de vue, qui vont donner de nouvelles images, de nouvelles représentations. C'est juste vital. Donc, je ne sais pas vraiment comment en parler, tellement c'est très douloureux en fait, ce qu'on est en train de vivre. C'est douloureux parce que c'est incompréhensible, parce que c'est incohérent, parce que ça ne va pas avec le mouvement de construction, vous voyez. Et donc voilà, en ce moment, on est vraiment en train de négocier, on est en train de se battre vraiment sur un terrain politique, administratif. On commence à échanger comme ça avec le ministère de la Culture, on commence à leur faire comprendre l'importance. Il faut constamment que les cinéastes dans le monde se battent pour qu'on puisse leur laisser et les protéger leur liberté de créer. Parce que si ça, on le perd, c'est le début de la destruction, en fait. Il n'y a pas un pays ou une région qui peut avancer si elle ne comprend pas que ça, c'est primordial. Et je dis encore à tout le monde, dans tous les pays, à tous les artistes, mais aussi à tous les citoyens, attention, le jour où on va toucher à la culture, on est en train de faire du mal. On est en train de vraiment faire du mal. Bon, comme je vous dis, c'est un peu difficile parce que là, c'est vraiment une période difficile et douloureuse. C'est un peu compliqué d'en parler et de trouver les mots clairs parce que ce qui se passe n'est pas logique, ne va pas en tout cas dans le bon sens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On se bat avec tous les cinéastes algériens. Tous, on se bat parce que là, on se bat pour notre survie, pour la survie de notre cinéma et de notre liberté. Pardon, je voulais juste dire une chose. Oui. Le réalisateur Georges Hachem, le réalisateur libanais Georges Hachem, avec qui j'ai parlé dernièrement de l'importance d'être soutenu par nos pays pour avoir la liberté de faire des films de genre, des films historiques, pour un peu apparaître dans le monde. Il me disait une chose, mais bien sûr, il faut qu'on soit soutenu par nos pays parce que nul n'est prophète sans son pays. Parce que l'adage dit, pardon, il y a des travaux, l'adage dit, nul n'est prophète dans son pays, mais c'est le contraire, nul n'est prophète sans son pays. On a besoin de nos pays. So Adila is saying that Algeria is confronted nowadays with the closing of the fund that finances its local cinema, and this is a very terrible piece of news because it means that the local films will have more problems to be financed, but also because preserving and protecting the imaginary culture
is becoming more difficult. Adila is saying that in the new film that she has been producing with Dania Onuri, she is dealing with Algeria in the 16th century. It's a piece of work that takes place in Algeria in the 16th century. And to get funds from outside of Algeria, European funds, funders would not necessarily approve what is being proposed because these funders are expecting something else from Algeria. So for Adila, she's saying to have a piece of work like this one, which is beyond the colonial approach and beyond the culture of today, is also very, very, very important. And that's why a fund like this local fund would have been, is still very important. The closing of this fund is also very difficult because it really puts representation at stake. If Algerian filmmakers are only basing their financing plans on European funding, this is really misrepresentation of their own image. Starting 2019, there have been so many manifestations that took place, but after that, cultural subventions have been fragilized by that. And Adila is saying really after every political crisis, culture, women and minorities are the ones that really, really, really get the setback. What she's fighting for actually is to make this fund exist because Algeria has this fund, which is a very rare thing when it comes to North African countries, but also Africa. And this is something that is very rich. This is something that is a plus, and there is money for films, or there used to be money for films. And she's saying this fund would support any kind of film that is being made. This leaves the artist the choice to create new images, to create new representations. So this is very vital. I mean, any kind of film could be made, propaganda film or artistic film or art house cinema film. The core thing is to really let artists flourish. And that's why for her, it's very tough. It's not to be understood why such a fund would close. It doesn't go also with the current movement of things. That's why she is fighting on the ground, on the political ground with the administration. They're talking now to the minister to kind of start to protect the artists, their freedom, and their freedom of creation, which is essential. And according to Adila, when we touch to culture, that's why we're really understanding that we're doing something, that's why we're doing something wrong. And that's why they are, as a collective of Algerians, are fighting to save their own cinema and their own liberty. And at the end, she said she has been speaking with filmmaker George Hashem about preserving one's own culture. George Hashem is a Lebanese filmmaker. And then he told her, no one is a prophet outside of their own country. And so one has to have the support of their own country to be able to create and show their own history. Adila, with that, I would like to thank you so much for taking the time to be with us. I think also it's very important to have support, and that's why we as a film institution also want to show support to you as an art practitioner, but also to the collective of artists and cultural practitioners in Algeria in their fight for keeping their collective imaginary alive and beating. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour votre soutien. Merci pour la projection du film. Voilà, j'aurais beaucoup aimé être avec vous, vraiment. Thank you so much. So Adila is really thanking us for the support and for the screening of the film, and she would have liked to be there, but the heart is there. Maybe we can have the chance to screen your next film in your presence at the Film Institute. Thank you so much, and see you soon. Au revoir. Au revoir.